Il y a de ces auteurs qui sont fascinés par la figure du héros dans son imagerie et sa dramaturgie la plus mythologique et la plus humaine possible. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui est un metteur en scène fasciné par les héros qui traversent les époques et surtout par les légendes qui les entourent. Zack Snyder est un réalisateur d'origine américaine qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 12 ans. Il est un de ces auteurs qui est grandement apprécié du grand public, un de ces auteurs capables de transformer un projet casse-gueule en une œuvre qui fera fantasmer les foules et qui captivera les cinéphiles même les plus réfractaires. Et c'est en cela qu'il a réussi rapidement et de manière efficace à s'imposer comme une figure forte de l'Hollywood moderne. Snyder est aujourd'hui un monument du cinéma de divertissement américain et ses films génèrent une hype et une admiration avant même leur sortie en salle. Cela, il le doit à ses sujets de prédilection, cette idée de représenter des héros ou des personnages dans leur forme la plus glorieuse et de les ériger en figures représentatives des héros de notre enfance ou de la mythologie. Chacun de ces personnages et chacune de ces histoires nous entraîne dans un récit qui mêle humanisme et mythologie, fantasme et réalisme, poésie et brutalité de notre monde, et c'est en cela que son univers est fascinant. Même si ses sujets semblent parfois trop proches du surréalisme et frôlent assez souvent la surenchère, le cinéma de Zack Snyder semble pourtant être en cohérence avec une époque, en cohérence avec ses auteurs qui cherchent à générer des figures qui influencent les jeunes générations et qui poussent les personnes à croire en un idéal, que celui-ci soit possible ou non. Snyder représente toutes les plus grandes passions du 7e art, et de tous les arts d'ailleurs, cette idée qu'un projet doit générer une émotion forte chez le spectateur. C'est cela qui se dégage de ses longs-métrages, car même s'il déçoit, Zack Snyder porte en lui une forme d'espoir qu'il transmet au travers de ses longs-métrages. Des héros face à l'apocalypse, des soldats face aux enfers, des super-héros face à l'humanité, des chevaliers à plumes face au mal absolu, une jeune femme face à la fantasmagorie d'un monde en perdition, ou un extraterrestre face à un avenir de paria, ces héros sont mythologiques. Ils représentent chacun à leur manière une époque où le monde ne savait plus comment voir son avenir et cherchait un guide pour les amener vers des jours meilleurs. Tel un créateur de mythes, Snyder s'inspire des légendes antiques ou modernes pour créer un regard sur le monde qui soit proche d'un poème, crié comme un vent d'espoir. Pour autant, Snyder semble atteindre aujourd'hui les limites de son art, car à force de vouloir créer des figures héroïques, celles-ci finissent parfois par rentrer en conflit. À force de rappeler que le monde a besoin d'espoir, peut-être que Snyder rappelle un peu trop à ce monde qu'il a besoin de ses figures et qu'elles ne sont pas là. Si le cinéma de Snyder est emblématique d'une époque, il finit sans doute non pas par lasser, mais par faire froid dans le dos, montrant finalement un monde qui, avec ses figures, renaîtra plein d'espoir et d'avenir, mais rappelant que ses figures ne sont que les projections de fantasmes impossibles. Snyder construit ainsi ses films au fur et à mesure, comme une grande mythologie du héros moderne, en pensant qu'un jour, ce héros moderne tel qu'il le voit, deviendra un simple homme, perdu au milieu de la foule, cherchant lui aussi une figure pour le sauver, cet homme devenant, à son tour, un héros dépassant ses fantasmes et ses idéaux. Plonger dans le cinéma de Zack Snyder, c'est chercher à voir le monde avec un œil meilleur, avec un regard plein d'espoir et d'avenir pour demain. Même si Snyder est un auteur qui regarde le monde par le biais des super-héros de notre enfance, il finit peut-être simplement par le regarder comme un homme cherchant à rendre le monde meilleur, comme nous tous.